tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et c'est un plaisir. Wow. Ouais, Najib, ça tourne là? Mais tu fais quoi? Je fais l'intro. Non, Najib, j'ai dit que je t'invitais sur la chaîne, j'ai pas dit tu me remplaces. Bah non. En plus, c'est mon moment préféré. Et je ne parle jamais comme ça avec les mains. Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette magnifique salle du Muscle Factory de Ponton Cobo. Et quand je parle de plaisir, le mot est très faible, puisqu'aujourd'hui je suis en compagnie de Najib, de la chaîne Najbfit, t'as vu, je l'ai dit à l'américaine. Incroyable. Najib, merci infiniment d'être là parmi nous. Avec plaisir, ça fait extrêmement plaisir, mon ami. Aujourd'hui, pour un vlog training qui va sortir légèrement des sentiers battus, puisque durant ce vlog, pour mieux te connaître, Najib, je t'ai préparé une série de questions flash. Alors, ce que j'appelle les questions flash, ce sont des questions très courtes, qui amènent à des réponses très courtes, que je vais pouvoir te poser n'importe quand, pendant les temps de repos ou alors pendant les séries, donc il va falloir rester focus. Et tu répondras de manière la plus spontanée possible en parlant avec le cœur, comme dirait notre ami JCVD, spécial dédicace. Et bien sûr, Enzo TV ne serait pas ce qu'elle est sans conseils techniques. Donc je tâcherai de vous en donner, mais également toi Najib, puisque tu es coach sportif. Donc aujourd'hui, petit vénard, vous en avez deux pour le prix d'un. Qu'est-ce qu'on va se faire comme séance? Séance pec. La messe est dite, voilà. Séance pec. Et ben on va s'échauffer et on attaque de suite. À tout de suite. Donc voilà, on vient de terminer de s'échauffer. Je vous avoue, j'ai pris plus de temps que Najib pour chauffer la machine, 46 ans oblige. Mais on va commencer par le premier exercice du développé horizontal. Vous pouvez faire aussi bien à la barre ou aux haltères, libre à vous. Honneur aux invités. Najib, tu vas commencer. Pendant ce temps-là, moi, j'ai tiré une petite question que je vais te poser. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Alors, est-ce que tu es prêt, Najib? Je suis toujours prêt. Ok. Écolier, tu étais plutôt... premier de la classe, toujours au premier rang. Hockeytière, ouais, dans la moyenne. Ou alors au fond de la classe, près du radiateur. Ah, j'étais au fond, moi, j'étais un fouteur de merde. Mais j'étais un fouteur de merde qui avait des bonnes notes. Ah, le mec qu'on détestait, quoi. Ah, les profs, ils me détestaient. Ah ouais. on a tous connu ces mecs qui avaient des facilités, qui en foutaient pas une, et qui, au final, à la fin, réussissaient, quoi. Tu faisais partie de cela. Ah, de ouf. Non, continue. Allez, Najib, il reste une question. Jusqu'au bout. Allez, frérot. Si tu devais te réincarner en un animal, lequel serait-il? Un aigle. Et pourquoi un aigle? Parce que je voudrais un animal qui vole, mais qui vole haut et loin, tu vois. Pas juste genre un pigeon. C'est vrai que ça... C'est sûr que c'est moins sexy. Ah, je reprends une de tes formules. Ouais, voilà, c'est moins sexy. Ça, c'est bien. Tu sais, j'ai plus long comme ça. Non. Un aigle, il y a une classe, tu dis. Ah bah ouais, c'est sûr que tu m'aurais répondu à un pigeon. Non, oh, c'est space comme réponse. Ouais, un aigle, c'est top. Ouais. Ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais je pense qu'un aigle, ce serait quoi? Moi, si je devais me réincarner, je pense que ce serait en un requin. Sérieux? Ouais. C'est un côté, je trouve, très... Alors attention, je suis pas en train de dire que je le suis, mais c'est un côté, je trouve, très puissant, ouais, très gracieux, ouais, et solitaire. Et moi, je suis quelqu'un qui reste quand même assez solitaire. Ouais. Et je trouve que c'est une... Voilà, la puissance alliée à la grâce. Ouais, mais tu t'ennuierais pas dans l'eau? Non, il y a pas... Tu sais, c'est pas comme, par exemple, je suis un aigle, tu vois, je vois des trucs. Toi, tu serais dans l'eau. Tu vois ce que je... Sinon, j'avoue, un requin, c'est cool, mais rien à faire dans l'eau. Bon, je change ma réponse. Moi aussi, je veux être un pigeon. Non, tu fais un aigle, on fera un duo, t'inquiète. Ah ouais, on ira se balader. Allez, let's go. À mon tour. Allez. Donc, la petite minute technique pour cet exercice, je vous rappelle, quelle que soit la variante de développé que vous allez faire, ce qui va être surtout important, c'est de garder les coudes sous la ligne d'épaule. Je ne veux surtout pas que ces coudes rex restent dans l'alignement de ces dernières, sinon vous risquez de stresser justement l'articulation de vos épaules. Je repense aux pigeons. Mmh. Là, tu te forces à pas bouger la tête. Oh yes. Oh yes. Surtout, hein, gardez bien les épaules en arrière, pas d'épaules en avant. Il ne faut pas, surtout pas qu'elles soient projetées vers l'avant, sinon vous allez perdre la tension au niveau de vos pectoraux. Donc tâchez de bien garder les épaules en arrière. Comment? Tout simplement en serrant les omoplates. Oh, dernière ligne. Ça, c'est les bonnes reps, ça, quand elles se battent comme ça. Quand la grimace est là, c'est que ça va. Bien sûr, on ne va pas filmer l'ensemble de la séance, sinon la vidéo durerait 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, on va filmer un seul exercice, une seule série par exercice. Et en parlant d'exercice, il est temps de passer au deuxième. Ok. T'es chaud? On y va? Je suis toujours chaud. Allez, à tout de suite. Allez. Voilà, on va attaquer le deuxième exercice. Rien de mieux pour compléter que le développé horizontal ou le développé couché de manière générale, que du développé incliné, hein, qui va surtout axer le travail sur la partie claviculaire, hein, sur le haut de vos pectoraux. Najib, on charge la machine? Ouais. Allez. Je vais à deux. On va mettre 80 là, pour la première. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, bah, honneur aux invités, c'est Najib qui va ouvrir le bal. Et pendant ce temps-là, moi, je vais te poser une autre batterie de questions. Ah bah là, c'est parti. Go. Allez, le max, Najib, hein. Le max, le max, le max. Najib, si tu devais changer une partie de ton corps, ce serait laquelle? Mes pecs. Tes pecs? Ah ouais. J'ai des omoplats, gros, j'ai pas de... Mais ça, en fait, c'est la compétition entre les muscles. T'as des épaules hyper puissantes, ouais. Hein. T'as des bras qui sont énormes. Ouais. Donc voilà, c'est malheureusement, même en travaillant avec une parfaite technique, bah, c'est souvent eux qui vont piquer la tension. Hein. C'est ça. Et encore, j'ai à peu près réussi à les rattraper avec le temps, mais pas comme je voudrais, tu vois. Ah. Ouf. Parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah, Hamdoullah, comme on dit en Bretagne. C'est pas dans le Morbihan qu'on dit? Ah ouais, si, perdu, c'est trompé. Allez, une deuxième question avant que j'attaque. Si tu devais passer une journée dans la peau d'une personnalité masculine, okay, vivante ou décédée, ce serait qui? Ah, bah, elle est pas là, c'est moi. Tupac. Tupac? Tupac Shakur, pourquoi? Parce que j'aime tellement le personnage que sa vie... Ouais. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il faisait dans sa vie était atypique. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'une journée dans sa vie, ça doit être une dinguerie. Ah ouais, je pense. Ouais. Je pense. Malheureusement, bon, c'est dommage que ce soit fini comme ça, mais... Ah, de ouf. Tupac. Ouais. Je pense que j'ai aussi répondu ça parce que je suis un gros fan de Tupac. Voilà. Bon, bah voilà, Tupac. Alors moi, si je devais passer une journée dans la vie d'une personnalité masculine, je pense que ce serait Rocco. Bah, Rocco à son époque. Je parle de Rocco Marciano, je parle du boxeur. Hein. Ah ouais, ouais. Non, ça serait... je pense que ce serait Elon Musk. Ouais. Elon Musk, parce que des fois, je grogne, je râle, parce que je passe beaucoup de temps à travailler. Et je pense qu'une journée dans les pompes d'Elon Musk, tu sais vraiment ce que c'est de travailler énormément. J'ai vu, bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'étais tombé sur justement une vidéo de personnes... qui essayait de faire une semaine comme lui, ouais, et il tenait pas en fait. Non, c'est impossible. C'est impossible, le mec, ça. Ouais. C'est un monstre. Quand la grimace arrive, c'est que ça sent la fin. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, allez. Oh yes. Je peux encore en faire une. Yep. Oh. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, oh. Merci frérot. Donc voilà. On va bien sûr faire les autres exercices, mais on va pas les filmer. On va passer les autres séries, pardon. On va passer au prochain exercice, Najib. Ouais. Ok. Toujours en forme? Toujours. Allez, let's go. Voilà, on arrive arrive au troisième exercice. On est à la poulie vis-à-vis. Justement, on va faire de la poulie vis-à-vis en décliné, un mouvement qui va axer le travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux, sur le bas des pecs. Najib, comme d'habitude, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Ah bah, je t'en prie. Allez, let's go. Let's go. Donc d'ailleurs, Najib, est-ce que tu aurais un conseil? Si tu avais un conseil à donner pour les gens qui nous regardent par rapport à cet exercice, ce serait lequel? Alors, le plus important, ça va être de rétracter les épaules quand tu es sur l'avant du mouvement. En gros, tu as beaucoup de gens qui font l'erreur de venir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, d'avoir une espèce de balancier qui désengage les pecs. Ouais, tout à fait. Plus tu vas venir, plus garder une rétraction des omoplates et laisser les épaules légèrement en arrière, ouais, plus tu vas pouvoir engager tes fibres pectorales. Et plus tu vas maintenir la tension sur ces derniers. Exactement. Parfait. Eh ben écoute, je vois que tu es à l'aise. Dans ces cas-là, je pense que je peux te poser une petite question. Avec grand plaisir. Allez. Alors, Najib. Dis-moi, toi. Si tu devais passer une journée dans la peau d'une personnalité féminine, vivante ou décédée, qui serait-elle? Amy Winehouse. Ah ouais, même ça, c'est spontané. T'es fan d'Amy Winehouse? J'aime bien, ouais, mais c'est surtout que ça se voit qu'elle avait une vraie life, cette meuf. Ouais, ouais. C'est sûr que sa vie, elle était passionnante. Bah, elle devait vivre à 200 à l'heure. Hein. Ah, mais... elle devait vivre à 200 à l'heure. Ah, elle devait avoir une vie, mon gars. Ok. Ah, moi, je pensais que j'allais te bloquer sur celle-ci, mais non. Je suis dur à bloquer. Ah, ouais. La prochaine, c'est la bonne. Allez, encore. Allez, 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 Najib, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Encore, encore, frérot. Jusqu'à ce que je pose la question. Ok, d'accord. Enfant, tu rêvais de faire quel métier? Enfant, je voulais être chanteur. Tu... en fait, non, attends. Je voulais être chanteur de R&B. Ouais. Et je te jure que je me démerdais bien. C'est vrai. Sauf qu'après, quand j'ai mué, ma voix, elle est devenue archi grave. Ouais. Et du coup, eh ben, je pouvais plus chanter. Parce que j'avais une voix super aiguë quand j'étais gamin. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? À la fin de cette série, Najib va nous pousser la chansonnette. On veut une démo, Najib. On veut une démo. Tu veux qu'il pleuve ou quoi? Moi, ça me dérange pas, mais vous allez vous péter les oreilles. Direct. Allez. Et encore une, deux. Allez, une belle contraction. Allez. Ouf. Parfait. Wouh, baby. Good job. Oh yes. Allez, au tour de l'ancien maintenant. Allez. Ouf. Alors moi, pour compléter ce qu'a dit Najib, ce qui est très judicieux d'ailleurs, hein, je vais surtout vous rappeler que cet exercice consiste à véritablement bouger les bras en un seul et même bloc. Hein. En aucun cas, l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne doit bouger, c'est-à-dire qu'on ne doit pas assister à ce genre de choses. C'est-à-dire que vous ne devez pas changer cet exercice qui est à la base monoarticulaire, c'est-à-dire un exercice d'isolation, en un pseudo-exercice polyarticulaire, en un pseudo-développé. Hein, qui ferait intervenir davantage les triceps. C'est vraiment un exercice d'isolation où seuls vos pectoraux doivent être engagés. Ouh. Oh, comment j'ai bien appris ma leçon. Ah, sérieux. Ouais, il est sérieux. L'ancien est sérieux. Ah, l'ancien est sérieux. Faut bien de temps à autre, il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour être sérieux. Donc voilà, on prend notre petit temps de repos et ensuite on va attaquer l'exercice suivant. Tu me suis, Najib? Allez. On y va? Allez, let's go. Tout de suite. Ok les amis, on se retrouve pour le quatrième exercice. Donc comme vous l'avez sûrement vu, j'ai pris le contrôle de la chaîne d'Enzo. Donc là, on va voir du low-cable crossover ou comme on aime bien l'appeler en France, écarté poulie basse. Donc exercice qui vient solliciter principalement la partie supérieure des pectoraux. Donc eh ben, écoutez les amis, là on va y aller. On se fait une grosse série. C'est parti. Je donnerai 8 sur 10 pour l'imitation. Mais ça va pas empêcher que je vais te poser des questions, Najib. T'es prêt? Alors... Tu pars sur une île déserte. Ouais. Tu prends, sachant que tu n'as le droit qu'à un seul choix, ouais, tu prends des haltères, des livres, des films ou de la musique? De la musique. De la musique? Ouais. Que de la musique? Je suis un gros... Bah non, mais j'ai le choix qu'un truc. Un seul truc, ouais. Je prends de la musique. Et tu prends quoi comme genre de musique? Du hip-hop. C'est hip-hop? Ouais. Ton truc, c'est le hip-hop? Ah, mon truc, c'est... Non, je suis très éclectique. Ouais. Mais à choisir un rythme, j'écoute 70% de hip-hop et 30% du reste. D'accord. Mais j'écoute de tous les styles. Ok. Bah, je suis un ancien danseur, hein, t'es obligé de t'ouvrir à la musique. Ah, c'est sûr. Moi, je prendrais des films, sans hésitation. Ouais, tu prendrais quel film? Moi, si je devais prendre qu'une seule sorte de film, tu vas rigoler. Ça serait Harry Potter. Ah ouais? Ah, je suis un fan, mais un fan dingue. Okay. Un fan dingue d'Harry Potter. Ok. Deuxième question. Si tu étais un super-héros, qui serais-tu? Oh, il est bloqué. On a réussi, les gars. Parce que je regarde très peu de trucs de super-héros, mais je pense que je serais Batman. Batman? Ouais. Parce qu'il a vraiment le mélange de, tu vois, il est badass, mais en même temps, il sauve les gens. Donc, tu vois, je trouve qu'il a le bon mélange. D'accord. Il est ni trop méchant, ni trop gentil. D'accord. Allez, Batman, c'est validé. Yes. Là, tu m'as eu pour le coup. Même si t'as pris le contrôle de la chaîne, est-ce que je peux faire une série, s'il te plaît? Allez, vas-y. Merci. Monsieur est trop bon. Ouais. Ma bonté me tuera. Et du coup, j'ai pas de shaker, j'ai pas de tout ça, mais j'ai envie de te poser une question. Oh là, attends, moi je suis pas prêt là. Ouais. Non, une question... Allez, c'est parti. Alors, si jamais tu croisais le Enzo qui s'apprête à commencer la muscu et que tu pouvais lui dire une chose, ça serait quoi? Continue ta route. Rentre dans cette salle. Et continue, parce que ça va payer. Au début, t'hésitais à commencer? C'est pas ça, c'est que tu sais jamais. Ouais. Même si t'aimes les choses, tu sais pas ce que tu seras plus tard, tu sais pas comment tu vas évoluer. Ouais, clairement. Si je devais me croiser 30 ans en arrière, je lui dirais suis ton instinct. Ouais. Et suis ton instinct et crois en toi. Crois en toi parce que ça va payer. J'ai pas fait des choses extraordinaires dans ma vie, mais à titre personnel, je pense que j'ai une vie remplie. Mmh. Et ça a toujours été teinté de croyance en mes capacités et surtout en mes idées. Donc c'est ce que je lui dirais. Je dirais, vas-y, franchis cette salle, à la porte de cette salle. Mmh. Tu vas kiffer, ça va payer. Voilà ce que je lui dirais. C'est magnifique. C'est surtout pensé. Je te pose une deuxième question. Je t'en prie. Si jamais on te jetait un sort, comme quoi tu n'as plus jamais jusqu'à la fin de ta vie le droit de travailler un muscle. Il y a un muscle que tu dois arrêter de travailler, c'est lequel? Tu n'as plus le droit de le faire. Eh ben, je répondrai sans hésitation. Les mollets. Donc voilà, mais c'est sympa. Merci d'avoir essayé de me piéger, Najib. Mais en tout cas, t'as une très bonne imagination. Et t'es dur à piéger, c'est bien. T'es aussi dur que moi à piéger, ça fait plaisir. On se fait le dernier exercice? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Voilà, on va attaquer le dernier exercice de cette séance pec. On va remettre l'accent sur la partie claviculaire des pectoraux avec certainement de mes exercices préférés. Il s'agit des écartés inclinés à la poulie. Écartés inclinés que je vous conseille d'ailleurs de faire à la poulie plutôt qu'aux haltères afin de profiter d'une tension continue. Allez, c'est parti. Comme pour le low cable crossover, hein. Le bras, l'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer. Les bras devront se déplacer en un seul et même bloc. Comme l'a dit Najib, les épaules doivent être en position arrière. Donc tâchez de bien garder les omoplates rétractées. Vous serrez les omoplates de sorte à maintenir la tension sur la partie pectorale. Descendez les coudes légèrement sous la ligne d'épaule afin de bénéficier d'un bon stretch. Et vous pouvez aller jusqu'au bout, hein. Vous bénéficiez d'une tension continue. Magnifique. Monsieur est trop bon. Magnifique. Donc voilà, maintenant que votre humble serviteur a fait sa série, il est temps à notre invité, Najib, de clôturer cet exercice. À ton tour, Najib. Let's go. Le deuxième humble serviteur. Allez, hop là. Et hop là. C'est parti. Et par la même occasion, je vais clôturer. Ah oui, il y a les questions. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Comment peut-on oublier les questions? Belle contraction. Alors, Najib. Yes. Ton cheat meal préféré? Lasagne. Ah. Dans sa réponse, on sent la passion pour ce plan. Ah non, mais les lasagnes, c'est une des plus belles choses qui puissent être sur cette terre. Si tu devais manger qu'un seul plat, ça serait des lasagnes? Ouais, je pourrais manger ça jusqu'à la fin de ma vie sans problème. Donc voilà, si vous savez bien cuisiner les lasagnes, eh ben vous savez. C'est la clé de mon cœur. Et voilà. Si tu sais faire les lasagnes, je t'aime. Je t'épouse. Si tu es deuxième place de lasagne. Ça, je vais avoir des problèmes si je dis que je fais. Oh là là, désolé, madame Najib. Non, cette place-là, elle est déjà prise, mais on peut être amis. D'accord. C'est déjà pas mal. Deuxième question. Allez. Si tu n'avais pas fait de muscu, tu aurais fait quel sport? J'aurais fait. Ah, tu vois, tu m'as foutu en l'air là. Si j'avais pas fait de muscu, je pense que j'aurais fait un truc du genre... Ça, tu vas péter un plomb. Vas-y. Mais genre bien-être, genre yoga, pilates et tout. C'est pas vrai. Je te jure. J'aime trop ces délires. Et je compte m'y mettre parce qu'en vrai, tu te sens bien. Hein, j'ai déjà un peu commencé à faire. Najib en yogi, en... Mais tu sais que je suis méga souple, je tape un grand... Ah non, 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 attention, je dis pas le contraire. Je tape un grand cœur. C'est vrai que c'est... non, on s'attendrait pas. J'ai pas pensé à ça. Moi, j'aurais pensé... je sais pas, du MMA, non. De la boxe ou... ça aussi j'aime bien. Ou du curling. Ça aussi j'aime bien. Oh, ça c'est d'accord. Je fais aussi 2-3 trop sports dont on peut pas parler sur YouTube. Mais... 2018. Mais non, non, j'aime vraiment beaucoup ces sports. Allez, allez, allez belle, allez jusqu'au bout. Ah. Ouh, shit. Bordel. Allez, voilà, une séance, ça se termine comme ça se commence. Pleine intensité. Ah bah. Et dernière question, Najib. Dis-moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Ouais. Bah de ce qui se passe sur ta chaîne YouTube. Hein. Ouais. Sur tes deux chaînes YouTube, il me semble que tu en as une deuxième aussi. Enfin bref, je vais pas spoiler ton actualité. Bah, on va dire que ma chaîne principale, c'est vraiment le nerf de la guerre, dans le sens où ce qui se passe dessus, je traite de sujets qui me parlent tout en parlant à ma communauté. Donc en gros... J'essaye d'essayer de transmettre quelque chose tout en gardant ma personnalité, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui se prend trop au sérieux, tu vois. Mmh. Après, ma deuxième chaîne, c'est l'inverse, c'est la partie délire. Mmh. Je cherche pas forcément à faire des vues ou quoi, c'est vraiment juste, je me tape mes délires dessus. C'est du vlog apparemment, c'est ça? C'est plus sur les vlogs. Comme tu me vois depuis tout à l'heure, je prends ma caméra, je filme des trucs à la con, tout ça, et voilà, c'est un kiff, les gens ils aiment bien, moi j'aime bien, c'est plus le plaisir, tu vois. D'accord. Et voilà, c'est vraiment ça, mais sinon, ma chaîne principale... Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Najbfit, vous avez les liens de la chaîne, des deux chaînes, dans la description de la vidéo. Et d'un point de vue professionnel... C'est adorable tout ça. D'un point de vue professionnel, je reste coach. Tu restes coach, personne n'est parfait. J'en sais quelque chose. D'un point de vue professionnel, des projets, quelque chose qui arrive? Là, je suis toujours en pleine création de mon programme. Ça prend plus de temps que prévu parce que je suis un perfectionniste. Eh ben, écoute, c'est tout à ton honneur. Je suis jamais content, mais ça arrive, ça finira par arriver un jour. D'accord. Non, et de là après, j'ai la refonte de mon site qui est prévue. Je suis en train de taffer dessus avec ma graphiste, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi, quoi. Quelqu'un d'actif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. C'est vraiment je ne te cache pas que je ne te connaissais que très peu. Sauf via tes vidéos, j'ai appris à connaître au-delà de l'athlète l'homme que tu es. Et force est de constater que, et je pense que c'est un sentiment qui est partagé avec vous tous, j'ai passé un très bon moment. C'est le but, j'étais là pour ça et j'ai passé un bon moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te dis pas au revoir parce que je pense qu'on va être amené à se revoir et à faire d'autres choses ensemble. Ah oui, en tout cas, ça a été un sacré plaisir. Reste comme tu es. Suivez Najib, c'est un mec en or. Et voilà, tout est dit. Tout est dit. Ciao, ciao. Et voilà qui conclut ce vlog training avec l'ami Najib. Vlog training qui est le premier d'une série de collaborations qui arrive très bientôt sur la chaîne. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les regarder que je vais en prendre à les tourner. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez également le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog training avec un invité de marque. Et d'ici là, eh ben, portez-vous bien, restez en forme. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut.